Salut. Je m'appelle Nicolas. Mon état civil dit que je suis né à Bellac le 23 juin 1979. Je ne sais rien d'autre. Pas de poids, pas d'heure, pas de livret de famille. Un après-midi de 89, ma grand-mère discutait avec une caissière du coccinelle du village. Oui, c'est lui. Vous avez vu? C'est ça. C'est l'enfant adopté de la famille. Sauf que j'étais là. Ce jour-là, quand j'entends que je suis adopté, je n'en parle pas. Mes parents sont trop fragiles. Mon père boit. Lui aussi a été adopté. Sa mère ne voulait pas s'occuper de lui. Il le sait, seulement il n'en parle pas. Mon père, c'est un fils de pute, littéralement. Il s'est construit avec ça tant bien que mal. Il se disait fils du tsar de Russie, mais c'est juste un fils de pute. Ma mère, elle, c'est une femme à fort caractère, mais d'une fragilité quasi adolescente. Elle crie souvent, pleine de désillusions. Avec le temps, le trop-plein d'alcool rend mon père violent parfois. Ni elle, ni lui ne rêvaient de cette vie en bordure de zone indus.